Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur Star Wars Jedi Fallen Order pour la suite de l'aventure. Donc qu'est-ce qu'on avait fait les amis avant? Eh ben je sais plus, je sais même plus où on est. Ah si, je crois qu'on est sur comment elle s'appelle cette planète? Attendez, on va regarder vite fait. Je crois qu'on est. Il y avait pas une épave gigantesque sur Zepho? Il y a peut-être un truc à en tirer. On est sur... non, c'est pas Bogano, c'est pas Zepho. Putain, on est sur où, les amis? Illume. Je crois qu'on est sur Datomir, les amis. Ok, on va dire qu'on est sur Datomir. Je suis pas sûr à 100%. Longtemps que je ne suis pas venu ici. Mais let's go. Ok, non, on est sur Illume. Pas de chance. Donc, petit monde de neige. Très sympa. On va se choper un rhume, mais ça, c'est pas grave. Donc on n'a pas de sabre laser les amis. Ok. Allez c'est parti, on va voir ce qui se passe. Ouais, ok, donc on n'a rien loupé les amis, il y avait juste un petit écho en haut que j'ai récupéré avant de revenir ici. Mais bon, c'était rien de bien terrible. Qu'est-ce que c'est? Alors on peut scanner ça. Ok, fenêtre grossissante. Cool. Jamais eu des fenêtres grossissantes, oui. Ah, on peut accrocher la cordelette. On peut peut-être brancher cette prise. Je me rappelle cette pièce. Là, on est au temple Jedi. Fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force, avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Ok, donc à mon avis, les amis, il faut déjà commencer par aller de ce côté. Ok, lui il scanne ça. Cristaux conducteurs. Ok, bon bah du coup. Ok, non, c'est pas là les amis. Bon. Ce cristal amplifie la chaleur de la lumière du jour. Il suffit de le placer correctement et d'ouvrir la fenêtre en face du mur de glace. Ah ok, je peux le déplacer. Attends, je peux le déplacer? Waouh, ça m'a pris une éternité les amis pour faire ça, vous imaginez même pas. Ça m'a vraiment pris un temps de ouf de faire ça. Je comprenais pas comment je pouvais revenir après en arrière, mais ok. J'ai compris. Alors du coup, on peut méditer. On a 3 points de compétence, je crois qu'on va les dépenser. Alors, moi, je voulais lancer mon sabre, je crois. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, ok, on va lancer le sabre. Ok, donc L1. L1 triangle, ok. Bon bah let's go les amis, pas le choix. Ça va, c'est de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on... Waouh, il y a du feu dans l'eau. Intéressant. Donc on a un petit coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là? Nouvelle apparence pour BD1. Ok. Je suppose qu'on doit aller de l'autre côté ici, nous. Ok, on va aller checker là. On va sortir les griffes de Wolverine.
Ouais, je crois qu'on doit... De la chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais... Je crois qu'on est du bon côté. Il fait très froid ici. Le cristal Kyber. Il m'appelle. On n'est plus très loin. Ok, caverne de cristal. Cristal Kyber. Kyber. Jedi, et pas l'inverse. Ok, bon. Eh ben, du coup... Un peu comme toi. Ça montre qu'on est quand même au bon endroit, les amis. On n'est pas paumé. Allez, on va essayer de rejoindre le cristal, comme on peut. Regardons ça. On va scanner ça. Ok, des géodes. On a la petite impasse pour mon corps de Jedi. Oh putain, c'est crazy ici, oui. Faut pas y aller en bande, hein. Médé, t'approches surtout pas. Médé, ah. God damn it, je suis tombé. Oh putain, c'est froid. Ça me gèle le... Ça me gèle le bout. Ah, je suis phoque. Aie confiance. Je suis phoque dans l'eau. Ouh, ça doit être froid. C'est possible de faire un feu. Putain, il doit avoir... froid cacahuète. Allez, on touche au but, les amis. Hein. On aura la réponse. Est-ce que je fais un bon Jedi ou un mauvais Jedi? Il y en avait partout, des cailloux comme ça. T'aurais pu toucher un autre bout. Oh. I got you, bitch. Ça, c'est crazy, hein. Oh merde, il s'est cassé. Non. S'il se casse, ça veut dire que je suis pas un bon Jedi. Oh, la déception, quoi. C'est fini. J'ai échoué. L'échec n'est pas la fin, mon ami. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Mais j'espère pas. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Bip bop bip. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Oh, BD1, c'est un Jedi. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. En gros, va chercher un autre pigeon, quoi. Et que tu l'aideras. Comme tu m'as aidé. Genre, moi, je suis une merde. Ah, frérot, c'est tout ce que j'ai fait pour venir Mais jusqu'ici. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire? Ah, mais il parle pas au vrai, il parle à...
l'hologramme. Oh, il va effacer sa mémoire, il va les faire oubliette. Je procède à l'encodage de la mémoire. Il va les faire le sort oubliette. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Et moi je peux le faire, je sais. Tu as ma confiance. Comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. On va remplacer le maître Jedi. C'est dingue ça. Au revoir, mon ami. Bip 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 bip. Bip bip. Ça y est, il a fait oubliette. Tu as failli les perdre. Bibi boop. Ils sont pas fait chier, n'empêche, pour BD1. Bon, après, c'est normal qu'ils parlent pas. Regarde, j'ai cassé le caillou. Ouais, t'as raison. Il reste une chance. Bah oui. Bibou bop. Ah, quand il dit bibou bop, généralement c'est meilleur, les amis. Il y a toujours une chance. D'après ce qu'on a vécu jusque-là, bibou bop, c'est bon. Alors, trouvez votre cristal Kyber. Ok, c'est notre propre cristal en plus. Ok. Bon, la petite séquence émotion, les amis. C'était bien triste tout ça, mais bon. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Alors, on a un petit écho là. Attention, Padawan. C'est le cristal Kyber qui choisit son Jedi. Pas l'inverse. Ok, t'inquiète, ça on me l'a déjà dit. Alors, du coup, on va pouvoir... Oh, si on peut améliorer BD1. Alors, bouger pour modifier la couleur. Vert ? Attends, non, on peut pas prendre vert. Oh putain, on peut prendre soit vert, violet, ça. Quelle couleur on prend, les amis? J'ai envie de prendre... Le violet, il est stylé, en vrai. Je sais pas ce que ça fait, hein, choisir la couleur. Je vais avoir le même que Maître Windu, le violet. Ah, mais c'est pour choisir la couleur du sabre. Normalement, c'est les maîtres Jedi qui ont des sabres violets. Maître Windu, il en avait un violet. Bon, Maître Yoda, il en avait un vert, donc. C'est juste une préférence colorée. Et violet, ça intimide plus l'ennemi, je pense. Par ici ? Vas-y, fais-moi du vous voir si ça marche. Waouh, c'est crazy, oui. Ça a marché, je suis comme Maître Windu. Ok, on a un petit trophée qui tombe. Sabre scindé. Waouh. Alors, on peut même le personnaliser. Ouais, maintenant, on va le laisser comme ça. Ah ah, c'est le retour de la puissance. Et maintenant, je peux tout casser. Voilà. Ça, c'est nice, les amis. Allez, du coup, on va recontinuer le chemin. Bon, maintenant, il n'y a rien qui peut nous stopper, là. En gros, là, on est comme on était avant, en fait. On a fait tout ça, mais... C'est juste pour recréer un sabre laser, ça se trouve on aurait été faire un tour chez Jiffy, on aurait retrouvé un, mais bon. Équiper le sabre laser simple, pourquoi? L1 carré, effectue l'attaque de force avec le sabre scindé, nécessite de la force. Ah ouais? Je me charge de lui. Ok, non, moi je veux... Je le laisse pas pied.
Moi je veux ça les frérots. Ce sera une victoire facile. Comment on est censé le toucher? Attrapez-le. Ok, ok. Ok. Oh, on est mortel. Depuis quand il y a des stormtroopers ici? Je peux rien faire. Tu peux rien contre nous. On a mis à terre. Restez sur lui. Il a trop peur. Raté. Ok, nice. Je crois que je vais arrêter là. On t'éliminera. À l'attaque. Il faut l'arrêter. Au revoir. Tu pourras pas tous nous vaincre. T'as pas peur, hein? Où t'es passé? Allez, au revoir. Il ira pas loin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ok, au revoir. Double sabre. Je n'ai pas peur de vous. Oh, il tremble de peur. Ah, faut juste que je vise mieux. Attrapez-moi cela. Allez, là vous faites quoi contre un maître Jedi Windul? Faites rien, vous êtes des nazes. Ils mettent la planète en miettes. C'est pas nous qui le traquaient. Oh merde, attendez, il y avait un truc, les amis, je crois, non? Eh hey, BD, on y va. Tu crois qu'on fait ce qu'il faut, BD? Attends, j'avais un truc, non? Super. Tout va bien, BD? Tu me rassures. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais, BD? Qu'est-ce que tu fais, BD? Oh my god. Porte verrouillée, je te présente BD1. BD1, je te présente porte verrouillée. Oh mon dieu. Entité non autorisée détectée. Analyse. Demande de maintenance. L'adversaire fuit le combat. Vas-y, attaque-le, frérot. Ok, j'ai piraté le... J'ai piraté le droïde. Vas-y, vas-y. Attendez, on va regarder voir s'il le tue. Ça va peut-être mettre du temps, les amis, par contre. J'espère que vous avez trois quarts d'heure devant vous. Résistance. Non, laisse-moi tranquille. Intégrité compromise. Bim, coupez la jambe. Ok, encore. Oh putain. En mouvement. Humain sans intérêt. Je vous tiens. Vos chances de survie sont infimes. Il est inutile de résister. Vous le regretterez. C'est lequel le bon? Ok, lui il est contre moi. Vas-y, tue-le, vas-y, vas-y, mets-lui une patate. Finis-le, finis-le. Allez, vas-y, attaque, attaque. Analytique.
Non, il me l'a tué. Il m'a tué mon pote. Dommage. J'avais tenté un truc, les amis. C'était sexy, ça. Ouais. C'est dur de regarder ces cristaux après tout ce qu'on a traversé. Serré, faut pas qu'on traîne ici. Ils ont envahi Illum. Est-ce que ça va? Non. Ok, là c'est fermé, les amis. Du coup, on est obligé de passer par là. Ils extraient des cristaux Kyber. Capitaine, prépare-toi au décollage. Ah, je croyais que je peux aller là-bas. Ouais, il y a sûrement un truc là-bas, les amis. Je vais aller voir et je reviens. Ok, donc c'était une zone où il y avait un petit coffre, les amis. Rien de bien méchant. Hop là, dans l'eau. J'arrive pas à le suivre. Vite expédié. Aidez-moi à le battre. Ok. Ils sont dead. Donc du coup, il y a encore une autre paroi de l'autre côté. Est-ce que je dois aller par... Il y a peut-être des trucs dans l'eau, les amis. Non, attendez, je vais juste checker dans l'eau. Ok, non, en fait, on est revenu... Ok, c'est bon, je sais où on est. On est revenu légèrement en arrière, on va dire. La cible est au-dessus. Reculez, what the fuck? Il est où, lui? Je parie qu'il s'enfuit. J'ai raté la cible. Détruisez-le. Il va trop vite. Au secours. Au revoir. Alors lui là-bas. Oh non. Ok. Faire attention. Non, ok, faut pas que je redescende par là-bas. Non, faut que j'aille par là-bas. Il est ultra violent lui avec son truc là. Ok, ok. Il arrête pas de bouger. Les Jedi doivent mourir. Arrête. Tu es faible. On te traquera comme une bête. What the fuck, mec? Tu sens cette pression? Allez, à vous de l'éliminer. Oh, il est sérieux, les gars. Oh. Allez, viens battre. Je t'aurai. Quelle lenteur. Liquidez-le. Ok, il reste plus que toi et moi maintenant, frérot. On est d'accord. Ok. Ah, j'ai la puissance de Maître Windu là. Vous pouvez rien contre moi. Tu affoles les canaux impériaux. Ils envoient toutes leurs ressources vers toi. Vous êtes en sécurité? On fait profil bas, mais la tempête se dissipe. Ah, bah j'en ai fait tomber deux. Et si vous masquez le signal du Mantis? Ça ne fonctionnera pas si il y a fort. Je crois que j'ai une meilleure idée. Ok, on va le pirater lui comme ça. Il nous laisse tranquille. Voilà, ok. Je vais tomber. Non, c'est bon. Oh, il s'est barré l'autre avec son bazooka. Oh, le lâche. Ok, on va en direction de la sortie. Est-ce qu'on a un truc derrière? Non, qu'on a rien.
Let's go. Ok, on peut regrimper la falaise. J'ai décodé leur cryptage. Je brouille leur transmission, mais ils ne mettront pas. Et depuis quand ils sont là, les Stormtroopers, alors que quand je suis passé, il n'y avait personne. Merci. Il y a des Stormtroopers partout. Ilou mettait notre planète, Cal. Fais-leur passer le message. Ok, on est de retour au cristal. C'est quoi ça? Pirate-moi ça, voilà. Nice, ok. Vos chances de survie sont infimes. On va la voir. Attends, ils m'ont tué mon... Ils m'ont déjà tué mon drone, what the fuck, man. Attrapez l'ennemi. C'est crazy, oui. À votre tour de l'attaquer. Allez, tue-le. Il est inutile de résister. Tu peux rien contre nous. Ah, tue l'autre, tue l'autre. Il va trop vite pour nous. Allez, viens te battre. Je le suis. Ah, tue-lui, vas-y. Let's go. Il trahit le... Voilà. On plaisante pas avec BD1. Trophée qui tombe. Nice. Ah, je voulais faire ça depuis un petit moment, les amis, mais putain, ça voulait pas. Ça voulait pas kill. Le laissez pas s'échapper. Je vois que reviendra tout le mérite. Ouais, que dalle, ouais. Réussi à appeler des renforts. Tous les destroyers stellaires qui se trouvent dans le secteur vont rappliquer. S'ils arrivent. Ok, lac brisé. Non, pas question de se faire. Ah oui, on était passé par là, nous les amis, je me rappelle. Oh, la petite fente. Serré, on a de la compagnie. Gris doit fermer le Mantis. Quoi? Avec l'Empire à tes trousses? Ça va pas bien, petit gars? Fais-le. D'accord, on ferme le béton. Ah, je vois rien. Aïe, aïe, aïe. Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai coupé les pieds. Bah putain, j'ai pas le temps de me dégager, oui. Comment un truc aussi gros peut bouger aussi vite, c'est pas possible. Hé, BD. Oh non. C'est pas légal. Mais putain, je suis bloqué par le pied de l'autre. Ah, c'est quoi cette merde? Mais crève, charogne! Putain, casse les couilles, eux. Ah ouais, tu veux quoi, toi, frérot? Tiens! On s'en sort pas trop mal, hein? Je sais pas si on peut y pirater. Oh non, c'est trop gros pour être piraté, je pense. Putain, faut que je retrouve le vaisseau maintenant, les amis.
Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le vaisseau. Let's go, ça caille. Tu as réussi. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais tiré sur Braca. Ok, bah c'était chaud quand même. Avec les survivants du Conseil Jedi. Mais au final, l'espoir de l'ordre repose sur un joueur, un Jedi déchu et un mauvais Padawan. Une belle bande de ratés. Ouais, ça c'est bien vrai. Exactement. BD, une belle bande de ratés. Fiable. Il a laissé Cordova effacer sa mémoire pour pouvoir nous guider. Mais tous les deux, vous êtes prêts à tout sacrifier. Pour continuer, même quand ça paraît impossible. L'échec fait partie du voyage. Je le sais maintenant. Je vous remercie. Vous tous. Et ben voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va se faire une petite pause, les amis. Je pense qu'on a vécu assez d'émotions là, durant cet épisode. Donc je sais pas, on va partir la prochaine fois, on découvrira ensemble quand on va relancer l'histoire. Donc on se dit au prochain épisode.